God, I'm a bit scared. Don't really like the smell. There's loads of things written. The big pussy of her granny is being fucked by all the guys from France. Fuck the police. People are coming up. This May, the world watched as French President Nicolas Sarkozy, a small elf-like creature who had dominated the country's political landscape for the past 5 years, was finally defeated by François Hollande, a boring, floppy man from the rival Socialist Party. The election was dominated by a number of baffling European financial issues. Boring. But what wasn't discussed was a crisis that had been simmering for years in the Parisian suburbs. The same suburbs in which 7 years ago, two teenagers were tasered to death while running from the police. As retaliation, hundreds of residents from Parisian council estates started rioting, protesting against police and their lack of employment opportunities. Almost 3,000 rioters were arrested. 5 police officers lost their lives and 60 others were wounded. Fast forward to now, and the media has more or less forgotten about these areas and the people who live there. But every now and then, the French Vice office would come across new rap artists from these suburbs whose angry music suggested that none of the problems in the suburbs had gone away. They were all still making music as aggressive as ever, just like the days when the suburbs were going up in flames. So we set out there to meet all these artists and some of their friends, and that is why this film is called... Hello, my name is Cleo. I grew up in Paris, but I still love all the tourist destinations like the Louvre, the Tuileries Gardens, the Concorde. I'd heard about areas like Clichy-sous-Bois and Évry in the news, but I'd never actually explored them. So when Vice told me they wanted to do a story about the situation over there, I got excited and I called up my friend, the director Romain Gavras, for a bit of advice. Romain made his first videos in the suburbs years ago and put me in touch with a rapper called Byron, who said he would show me the world of underground French rap. So we went to meet him and he took us to his home in Clichy. On fait partie des villes qui se vivent vraiment, tu vois, c'est vraiment le ghetto, c'est vraiment la merde, cousin. Nous, ce qu'on vit, personne ne peut le vivre, cousin. Et un mec qui s'en sort d'ici, cousin, il vaut 100 000 fois le meilleur ingénieur ou le meilleur, je sais pas quoi, que tu peux trouver. Ici, t'as des agents secrets, cousin. Bon, là, on est à Clichy-sous-Bois. Ok. Et c'est quoi pour toi ici? Nous, c'est comme un pays. Ouais. On n'est pas né en France. Donc, nous, on est arrivé, on ne sentait pas français. Clichy Montfermeil, c'est tout ce qu'on avait. Donc, c'est mon monde. Ok. Ici, c'est mon monde. L'État, il sait pas trop ce qui se passe. Pour eux, on est tous des braqueurs, des dealers. On blanchit notre argent. On est affilié à des gangs internationaux ou ainsi de suite. Les gens, ils n'ont pas la chance de pouvoir se développer honnêtement. Il y a de la jalousie partout, de la subsistance partout, et c'est si je peux manger l'autre avant. C'est comme ça que ça se passe en banlieue. Mais après, grandir dans une cité, moi, pour moi, je changerais ça contre rien au monde. T'es pote avec tout le monde, tu manges chez tout le monde se connaît. C'était quoi là avant? C'était deux immeubles. Bâtiment 23, bâtiment 24. T'habitais à quel étage? 4e étage. Ah, ok. Ça fait quelque chose comme ça, ça fait rien quoi. Ouais. T'es chez Sous-Bois, mon frère, de toute façon. Il n'y a pas beaucoup de médias qui viennent, il n'y a pas beaucoup d'inspections, les gens s'en foutent en général. Comparaison dans le ghetto, j'aime me dire après tout c'est bien que nous on est obligés de se lever tôt pour aller faire de l'argent pour nourrir la maman, pour faire des trucs aussi où nos mains si on rentre dedans. Pan, il y a la police qui nous guette partout, ce qui se passe dans les quartiers toujours pareil. Fais me dire après, faut que je prenne mon appareil, que j'appelle caméraman, la police, tu fumes. Que je leur dise. Tous les jeux, nos mains, les luttes, nos mains en improvise. Devant la caméra? Byron told us that if we wanted to find out about the southern part of the suburbs, we should go and talk to the guys from La Comera, a rap group from Grigny-la-Grande-Borne. Les affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont éclaté hier soir à Grigny, c'est dans l'Essonne. C'est l'interpellation d'un forcené qui a servi, semble-t-il, de détonateur. Je l'avoue, je smoke et tease, et tu l'aides pour me prendre si c'est illégal. M.O.G.S. et mon gros bêtise, c'est de la bombe de balle. En fait, ici, les jeunes, ils considèrent la police comme une bande. Et eux, ils agissent aussi comme une bande. C'est la loi du plus fort.
ce rapport de force qu'il y a eu depuis 2005, il n'a pas changé. C'est réputé pour être comme ça. C'est-à-dire des générations en générations, ils ont le goût pour l'émeute. Ça va jamais s'arrêter. Clic, clic, ma clique ne pense qu'à dégainer ce putain d'automatique. Les frères du bloc évitent les flics et ne pensent qu'à faire du fric. La colère nous sert de repère et protection dans ce bas monde. Ramène-moi 6 kilos, je te les kill en 6 secondes. Comme enfermé dans une tombe, si le temps c'est de l'argent, on y pense chaque seconde. Nos têtes sont blindées, font boum boum comme une putain de bombe. Yeah. I'm a triple six man, I come. I really want to talk to that other guy with the braids, but he seems a bit, he's a bit scary. Regarde, le ciel est trop beau. Et ouais, c'est pas mal. Ah, faut passer de temps en temps. Moi, j'habite dans le deuxième arrondissement. C'est pas long. Il vient te chercher avec la BM direct. Pourquoi t'as une BM? T'aimerais avoir quoi comme voiture? Je sais pas. Je sais pas conduire. Je t'apprends à conduire, moi. Mais je veux tout le temps que quelqu'un m'apprenne à conduire, moi, mais... Moi, c'est bon, ok, on y va, là, maintenant. I'm a bit scared because he seems a bit manic. Are you guys going to come with me in the car? Should I have accepted or should I have gone for it? I don't know. Because he was driving like a maniac earlier on, wasn't he? Alors, attends. C'est quoi l'embrayage? J'ai pas les pédales. Non, il y en a trois. J'appuie sur la gauche. Celle-là? Ok. J'ai peur d'en écraser. Ah, c'est pas mal. Elle est bien ta voiture. He smelt very strongly of onion. And he kept like going over me and he was like, kind of like, wait, hang on, I'll do that for you. And it was like a really raw, weird smell of onion. It wasn't like, oh my God, you stink. It was just weird. Whoa. Ah, sur gauche. Gauche, ouais. Ça y est. Tu es à fond et avec ton autre pied droit, t'appuies sur le pied du milieu. Ok. Oup. Génial. Voilà. Merci. I think he quite liked me. I mean, he kept asking if we were going to hang out and stuff, and when he was going to pick me up, etc., which was a bit much. Pardon? Ah, bah, je... quand tu veux. Ouais. Ce soir, je peux pas. Demain soir non plus. I don't fancy him. I think he's very nice, but that's it. Okay. C'est quoi, Favo? C'est nos amis les plus fidèles. Ici, c'est South Central, c'est South Central. Fuck la police. Le contrôle d'identité. Des patrouilles et des planchers. C'est la fête, paye ton cocktail. No idea where we're going, he just said come. And so we're just following. I just love going to people's places. I look around everything. That's all I'm interested in doing. Salut, je m'appelle Cléo. There was a mattress against the wall. There were some leather couches. There was a massive screen. Behind that table was a pit bull. He's just sitting there the whole time. And whenever I watched him, he's just going like... Non, je sens le chat, moi. Je sens le chat. J'ai eu moins peur de conduire la voiture que de caresser le chat. Smoked a bit of weed, had a bit of a drink, they rapped. They were basically blocking all the sofas so nobody could sit down. Ah, génial, je vais faire pipi. I was so pleased with my first day here. I learned how to drive, possibly had a few dates lined up with said driver, and met loads of new people. It was great. There's a lot going on here.